Bien, mesdames, messieurs, je voudrais commencer par remercier Khalid Beddou d'EDIX, Khalid Beddou, ses camarades, d'avoir organisé cette rencontre. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons tant besoin d'échanger et de confronter nos idées. Rien de plus dangereux, vous le savez, que la pensée unique. Pourquoi ? Parce que c'est par la différence qu'on s'enrichit, c'est par l'ouverture qu'on s'épanouit. L'histoire de toutes les civilisations l'a montré. Pour cela, il faut savoir écouter, écouter l'autre. Écouter l'autre pour le comprendre. Si on a une idée et qu'on la garde pour soi, vous savez, on perd sa valeur. La confrontation de deux idées donne naissance à une nouvelle idée. Et à la base de cette attitude, bien sûr, il y a la tolérance, il y a le respect de l'autre. Ils sont à la base de notre identité qui, par définition, notre identité est plurielle. Alors, je voudrais vous féliciter parce que votre institution, par l'Association des Anciens de l'Université de Lahore, elle est construite sur la base de ces principes. Et donc, quoi de plus naturel, dans la mesure où cette association, dans la mesure où votre association comprend des anciens étudiants de l'université de Lahore, une université que je connais pas mal d'années, dispense avant tout des valeurs. Elle donne de l'importance à l'épanouissement personnel et à l'ouverture sur les autres. Et c'est aussi, vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle je suis resté attaché à l'enseignement. 46 ans d'enseignement à la faculté de droit à Casablanca et Rabat. Je suis un vieux professeur, désormais retraité, mais qui continue d'enseigner. Et je continue d'enseigner selon les vieilles méthodes, et je ne sais pas utiliser du tout les outils électroniques de présentation. Alors, il parle, professeur, je suis parmi ces vieux professeurs qui parlent, parfois beaucoup, et c'est pour cela que je demande votre indulgence. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est 18 minutes, mais on m'a demandé que vous pouvez aller jusqu'à 30-35 minutes. Alors, je vais profiter. On m'a demandé de vous parler des paradoxes de l'économie mondiale. Alors, je voudrais commencer mon exposé par ce passage de Molière dans le Tartuffe, acte 1, scène 4. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste mesure, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites et chaque caractère y passe ses limites. Et la plus noble cause, ils la gardent souvent pour l'avoir outré et poussé trop avant. Ce passage exprime bien la situation actuelle. Drôle de monde que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec ses contradictions, ses paradoxes, alors que il est censé se distinguer normalement par sa grande rationalité. Mais aujourd'hui, la raison est devenue si relative. Regardons un instant ce qui se passe dans le domaine économique et en particulier sur le marché d'échange. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre brandit la menace, il y a quelques jours, la menace d'un effondrement catastrophique de l'activité mondiale, comme dans les années 30 d'ailleurs, si les manipulations monétaires se poursuivent. Les dirigeants s'inquiètent des risques de voir éclater ce qu'on appelle désormais une guerre des monnaies, susceptible de se muer en guerre commerciale et donc à un retour de protectionnisme. Vous vous rappelez que le protectionnisme qui a été instauré par les États-Unis dans les années août, à la suite de la crise de 1929, n'a pas permis de relancer l'économie, bien au contraire, il a aggravé la crise de 1929. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'inquiète. On entre dans un tourbillon dans lequel les meilleurs économistes perdent leur latin. Et en dépit de tous les efforts qui sont consentis à coût de milliards de dollars par les pays avancés, eh bien la croissance aujourd'hui ne repart pas. Le chômage reste à un niveau élevé, poussant bien sûr les consommateurs qui vivent dans un monde d'incertitude, donc incertains de l'avenir, de leur avenir, à moins consommer, donc à plus épargner, et même ils ne veulent plus de crédit. Les théories économiques classiques de relance ne fonctionnent plus. Et pourtant la planète n'a jamais été autant inondée d'argent, à des taux d'intérêt aussi bas,
beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités à des taux d'intérêt bas, censé théoriquement relancer l'investissement et la consommation. Parce qu'on dit que pour relancer la croissance, il faut qu'il y ait beaucoup de crédits à des taux d'intérêt bas. Proche de zéro, le taux d'Ilibor par exemple, proche de zéro dans la plupart des grands pays industriels, du jamais vu. Même constat pour les taux d'intérêt à long terme. 2,5% aux États-Unis, 2,9% en France. Alors même que les émissions records d'emprunt du Trésor pour financer les déficits, qui sont également records, devraient en théorie les faire s'envoler. Évidemment, lorsque les risques de non-remboursement sont signalés par les agences de notation, les taux d'intérêt peuvent s'envoler pour atteindre des niveaux de 6 à 7%. C'est ce qui s'est passé dernièrement pour la Grèce, vous le savez, pour l'Irlande, et demain pour l'Espagne et le Portugal, peut-être. Alors, la vigie, cette personne qui veille au haut du bateau, la vigie du haut du mât de son mât, devrait apercevoir les contours d'une nouvelle bulle financière, qui arrive, car si vous vous rappelez, la crise des subprimes avait pour régime l'excès de liquidité et la quasi-gratuité de l'argent, ouvrant les vannes de crédit illimitées à une population qui a été marginalisée, dont le revenu a baissé, alors que les habitudes de consommation n'ont pas changé aux États-Unis. Je voudrais, si vous me permettez juste ici, ouvrir une parenthèse pour rappeler que la période qui vient de se terminer, les 30 dernières années, qui est pour moi, dans l'histoire, si vous voulez, l'histoire de mon travail, c'est une phase ascendante, un cycle qu'on appelle le cycle de Kondratiev. Elle a enregistré une croissance de l'économie mondiale incontestable. Jamais vue dans l'histoire. 6,5% en moyenne de croissance qui découle, comme vous le savez, du phénomène de la mondialisation, des techniques de l'information et de la communication, de la libéralisation des échanges. Une période au cours de laquelle on a vu émerger, bien sûr, les nouvelles économies, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Mais le phénomène de la mondialisation a aussi sa face cachée. C'est une croissance qui a donné lieu aussi à des inégalités entre les pays et à l'intérieur même des pays. Une grande différence par rapport à ce qui s'est passé au cours de la période précédente, ce qu'on appelle les 30 glorieuses de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70, où on a mené une période au cours de laquelle on a mené une politique keynésienne de dépenses publiques qui s'est traduite par une augmentation relative des revenus, des salaires réels, mais aussi par des déficits publics records qui ont donné lieu à un revirement total de la politique économique, c'est-à-dire une nouvelle politique basée sur le libéralisme, la réduction des déficits, la privatisation, la déréglementation, ce que nous-mêmes, au Maroc aussi, nous avons connu à partir des années 80. Alors vous le voyez, chaque période a ses forces et a ses faiblesses. C'est une même pièce de monnaie qui a deux faces, et ces deux faces, on ne peut pas les séparer. Malheureusement, souvent, on ne regarde qu'une face, on ne regarde pas l'ensemble de la pièce. Aggravation des inégalités. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis n'ont pas dérogé à cette situation. Une partie de la population américaine a été victime de la croissance tout azimut qui a été poursuivie au cours des 30 dernières années. Et ainsi, si la crise financière a une cause directe, qu'on appelle le subprime, en fait, la véritable cause est indirecte, c'est une cause sociale. Alors, nul doute que les marchés financiers ont contribué par la largesse des crédits octroyés à des taux d'intérêt bas à booster la consommation, qui a joué, comme vous le savez, le rôle moteur de la croissance économique mondiale des 30 dernières années. Mais ils ont aussi enregistré une expansion considérable, ces marchés financiers, qui a mené à des abus. La déréglementation en particulier, pour beaucoup, elle a rendu ces marchés financiers, je dirais, arrogants. Juge de paix, peut-on parler d'hérésie des marchés? Des marchés, dans les années 2007-2008, qui avaient sanctionné les États lorsque ceux-ci tardaient à venir, les renflouaient avec l'argent des contribuables, alors qu'ils ont été à l'origine de la crise. Des marchés qui sanctionnent aujourd'hui ces mêmes États par la gravité de leurs déficits. Des marchés censés financer l'économie réelle, mais qui en sont devenus totalement déconnectés et ils cherchent la finance pour la finance. Évidemment, la première victime de cette situation, c'est l'entreprise et ses salariés. 50 millions de chômeurs nouveaux dans le monde.
Aujourd'hui, tout se passe comme s'il y avait deux mondes. Celui du travail et de l'entreprise, qui ne cesse de peiner, d'ailleurs, pour absorber les effets de la crise. Et celui, d'autre part, d'une finance que j'appellerais une finance de spéculation, qui, après avoir causé la crise, s'en exonère avec légèreté, en laissant au secteur réel, et principalement à l'État, c'est-à-dire aux contribuables, la charge principale de l'ajustement. Alors, revenons au paradoxe. On a dit que jamais la planète n'a été aussi inondée d'argent. Logiquement, cette masse monétaire gigantesque, vous l'avez étudié en économie, cette masse monétaire gigantesque devrait faire redémarrer l'inflation. Vous vous rappelez, V égale P plus. Ce n'est pas le cas. Jamais la planète n'a enregistré un niveau d'inflation aussi bas. Alors que la base monétaire mondiale a littéralement explosé depuis 3 ans. Bien plus, les grandes banques centrales censées garantir la stabilité financière et incarner ce qu'on appelle l'orthodoxie financière, eh bien, ils recourent, comme si de rien n'était, à la planche à billets pour financer la dépense publique. Bien sûr, les États-Unis, par exemple, n'ont pas de problème pour financer leur nouveau programme de relance économique. Ils émettent tout simplement des bons du Trésor rachetés par la Fed, la Banque centrale. Ce seront 600 milliards de dollars qui seront injectés au cours des prochains mois à raison de 75 milliards par mois. On parle de politique d'assouplissement quantitative easing, du jamais vu encore dans l'histoire. De l'histoire de la monnaie. La théorie, la réserve fédérale rachète des bons du Trésor et en échange, elle imprime des billets, elle imprime des dollars. Un recours sans borne à la planche à billets. Et ce n'est pas pour faire baisser le dollar comme le croyaient les Européens. C'est pour maintenir les taux d'intérêt à long terme bas en vue de relancer l'économie américaine et de baisser le chômage. Ainsi, les États-Unis, pays sans assez d'épargne, financent leurs déficits internes et externes avec leur propre monnaie et personne ne trouve rien à redire. On a vu ainsi dernièrement, là, cette semaine d'ailleurs, il y a 3 jours, les Européens critiquaient l'attitude des Américains. Il faut dire qu'en principe, les stratégies de deux banques centrales, la Fed et la Banque européenne, sont différentes. La préoccupation majeure de la Fed, c'est de booster l'emploi. Donc il faut baisser les taux d'intérêt pour faire repartir l'investissement et donc le rouleau. Alors que celle de la Banque européenne, ce n'est pas ça. C'est contrôler l'inflation, la peur de l'inflation. Donc ce sont deux politiques totalement divergentes. Mais pour les Européens, moi je peux vous dire que ce n'est que du cinéma. La Banque européenne a décidé, à peine hier encore, de racheter les dettes des pays en difficulté, que ce soit l'Irlande, le Portugal, la Grèce, de manière illimitée. Ce qui revient tout simplement à faire marcher la planche à billets de l'euro. Il faut, coûte que coûte, défendre l'euro. Et au-delà de l'euro, bien sûr, c'est la construction européenne, c'est l'Union européenne, coûte que coûte, qui est largement attaquée par les marchés financiers. Quelle puissance de la finance sur la politique. La politique budgétaire, vous le savez, elle a ses limites. Elle a provoqué un niveau d'endettement jamais atteint, qui nécessite une politique à contre-courant de réduction drastique des déficits publics. Il y va de la crédibilité financière de ces pays, de leur potentiel de croissance. Et ce qui se passe en Angleterre, par exemple, ce qui se passe en Allemagne au cours des derniers jours, il est très instructif. Les populations acceptent résilier des coûts budgétaires considérables, 90 milliards d'euros et 500 000 emplois qui ont été supprimés en Angleterre. Mais la réduction des déficits publics, est-ce qu'elle va suffire à relancer l'économie ? Pour cela, pour réduire le déficit, il ne s'agit pas simplement de réduire la dépense publique. Il faut aussi augmenter les recettes fiscales. Et vous le savez, les recettes fiscales dépendent de la croissance économique. Et là, nous nous trouvons dans un cercle fermé. Alors, on cherche d'autres instruments pour relancer la machine économique. Et en particulier, qu'est-ce qui nous reste ? Le taux de change. On s'adresse
à l'instrument du taux de change. Laisser filer sa monnaie pour doper ses exportations et protéger son marché intérieur. Parce que quand on dévalue, ça a deux effets. Encourager les exportations et protéger le marché intérieur. Et derrière les marchés intérieurs, protéger le marché intérieur, c'est-à-dire ses salariés. Chaque pays veille en permanence à son niveau de compétitivité en surveillant les cours de change de sa monnaie par rapport à celle des autres pays. Triste spectacle. Triste spectacle pour les pays industrialisés qui sont censés gouverner avec sagesse le monde économique. Se rejettent la responsabilité de la crise et s'accusent mutuellement de manipulation de leurs devises simplement pour gagner quelques parts de marché. Les leçons tirées des théories économiques libérales et de l'orthodoxie financière qui nous ont été pendant longtemps administrées à nous-mêmes et à moi-même, particulièrement dans les années 80, sont désormais les vestiges du passé. L'égoïsme et le chacun pour soi prédominent aujourd'hui dans la mise en œuvre des politiques économiques. Alors, vous voyez le Japon qui s'inquiète de la vigueur du yen parce qu'il détériore son climat des affaires, il passe à l'offensive, il accuse la Corée du Sud d'intervenir pour faire baisser le won. Les pays émergents dont les exportations constituent le moteur de la croissance s'insurgent, Brésil par exemple, au moment même où les pays industrialisés leur reprochent de freiner artificiellement l'appréciation naturelle de leur devise. De leur côté, les Européens s'agace tout bas de voir les États-Unis laisser filer leur monnaie. Ces mêmes États-Unis qui accusent la Chine de manière sporadique de maintenir le yuan artificiellement bas, alors que les deux pays, il faut le dire, qui vivent en concubinage depuis bien longtemps, ont conclu un deal tacite pour se soutenir mutuellement. Quel est ce deal? Vous achetez mes produits et je vous finance. Chacun trouvant son plan dans cette situation. Si la Chine a relevé de 0,25% ses taux directeurs dernièrement, ce n'est pas pour réapprécier sa monnaie, comme semblent le croire les Européens, et faire plaisir au reste du monde. Mais c'est pour faire face aux menaces, à ces menaces d'inflation qui apparaissent actuellement à l'intérieur de l'économie chinoise. On parle de China-American Connection. La Chine veille au renforcement du dollar. La Chine veille au renforcement du dollar. Elle a 2600 milliards de dollars de réserves de change en dollars. Si le dollar se déprécie de 8%, c'est 270 millions de dollars qui partent en fumée. Comble de paradoxe, voici le pays le plus riche du monde, les États-Unis, et qui possède les entreprises les plus innovantes et les plus puissantes du monde, qui est sauvé par les achats du bon de trésor américain qui sont effectués par une Chine qui est classée 99e au niveau mondial en termes de richesse par habitant, quoi qu'elle soit la deuxième puissance économique mondiale globale. Le phénomène nouveau qui est issu des 20 dernières années, c'est le processus de désindustrialisation dans lequel se sont engagés les pays du Nord au profit des pays émergents comme la Chine, avec en contrepartie un secteur tertiaire et qui s'accroît sans cesse. Mais la Chine ne se contente pas aujourd'hui des marchés occidentaux. Elle envahit des marchés également comme celui du Maroc. Et l'évolution négative de notre balance des paiements avec sa composante, la balance commerciale, révèle, à mon sens, une perte de compétitivité manifeste de notre industrie qui aura un impact sur l'emploi ainsi que sur nos réserves de change. On peut éternellement disserter sur la faible créativité ou le dynamisme de nos entrepreneurs. Mais franchement, on doit se poser des questions sur les réformes que nécessite l'environnement de notre entreprise comparé à celui de nos concurrents. Alors, mesdames, messieurs, drôle de monde. Je reviens, drôle de monde que celui de l'économie dans lequel nous vivons. L'incertitude dans laquelle nous vivons explique le court-termisme. Et le court-termisme explique l'esprit spéculatif que nous avons dans le monde aujourd'hui. Si la croissance ne repart pas, c'est parce que le monde n'a pas intégré la nécessité
de construire une vision globale et cohérente de ce qu'on veut devenir. C'est parce que nos analyses restent parcellaires et dichotomiques. Les approches compartimentées nous rendent perplexes et conduisent au paradoxe. C'est parce que plus que jamais, le monde est devenu si interdépendant. Il a plus que jamais besoin de coordination, de transparence et de solidarité. Le chacun pour soi a fait passer au second plan des préoccupations majeures de notre société. Et je m'explique. Que faisons-nous, par exemple, pour éviter une crise alimentaire mondiale devant la hausse des prix des produits agricoles? Que faisons-nous pour favoriser la production agricole dans les pays pauvres? Que devient la construction méditerranéenne avec l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, sur laquelle les populations du Sud en font des temps d'espoir? Aujourd'hui, les pays du Nord ont bien d'autres préoccupations. Ils ont oublié tout ça. Que devient la coopération internationale en faveur de l'Afrique, qui est le laissé pour compte du phénomène de la mondialisation, mais que l'Europe a quitté, mais où la Chine désormais s'installe, et qui est attirée par ses richesses minières, et préparant ainsi, à mon sens, un autre genre de colonisation qui me semble bien plus grave que le système de colonisation précédent. Qu'allons-nous devenir nous-mêmes au Maroc, dans la mesure où nous sommes amarrés à une Europe malade qui représente 70% de notre commerce extérieur et qui se débat pour assurer la survie de sa monnaie et au-delà de son unité, la construction de l'Union européenne. Une Europe où la faiblesse de la croissance est ce qu'on oublie souvent, à des origines démographiques, le vieillissement de la population. Une Europe qui est sauvée par l'immigration, mais qui aujourd'hui n'en veut pas. Le navire Europe, ne peut rester insensible à ce qui se passe dans son pays. Et la veille et l'intelligence économique constituent un instrument de gouvernance essentiel aujourd'hui. Manifestement, la période actuelle est marquée par un sentiment d'inquiétude. Un sentiment d'inquiétude qui nous envahit, qui envahit notre jeunesse et qui est alimenté par le climat d'incertitude, d'injustice et de violence. Regardez la télévision. 95% des images véhiculées par les télévisions relatent des scènes de violence, de guerre, utilisant parfois le mensonge. Regardez ce qui s'est passé par exemple à La Réunion. Et ceci, sans que le téléspectateur puisse dialoguer, échanger, formatant ainsi les individus, et plus grave encore nos enfants, sur des idées reçues. Ces images, en fait, reflètent l'état d'esprit dominant de la société d'aujourd'hui. Le monde ne vaut que par les extrêmes, et ne dure que par les moyens, disait Valérie. Voyez ce qui se passe à Gaza, à Jérusalem, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, l'exode des chrétiens d'Orient. Autant de violence avec autant d'indifférence. La confrontation est-ouest, c'est du passé. Capitalisme et communisme vivent désormais en concubinage, China-America Connection. Et j'ai bien peur qu'on donne l'image de plus en plus d'une confrontation Occident-monde musulman. On parle aujourd'hui de la crise, mais il y a des crises. Les crises, on en a connues dans le passé, il y en aura encore dans l'avenir. Il est impossible de comprendre les causes d'une crise si on ne la replace pas dans le temps et dans l'espace, si on ne met pas en évidence les facteurs directs et indirects auxquels elle est soumise. Toute chose, disait Pascal, est aidée et aidante. Causée et causante, et ces interdépendances, ces liens, nous les retrouvons dans toutes les disciplines, et chacune s'enrichit par le contact de l'autre, et il en est ainsi de la culture, il en est ainsi des relations humaines, de l'économie, et bien sûr de la finance aussi. Le discours dominant de la crise vise curieusement à masquer la crise, et si le mot « crise » est employé de façon absolue, c'est que le discours de la crise prétend régner absolument sur nous. En fait, quand on parle de crise, qu'est-ce qu'on regarde?
on regarde souvent qu'une partie de la crise globale, celle qui concerne l'économie. Nous sommes censés admettre que l'économie est toute. Elle a occulté tous les autres aspects. Et simultanément, à mon sens, cette notion envahit tous les domaines de la vie sociale, le sport, l'influence de l'économie dans le sport, la finance, la santé, la vie familiale, l'entreprise. Quand, vous savez, tout est lié, les pays, les secteurs, les hommes, les politiques. Concentrer son attention, par exemple, uniquement sur les aspects budgétaires et monétaires pour sortir de la crise ne suffit pas. Les facteurs politiques ou géopolitiques, comme la situation en Irak, comme la situation en Palestine, ont une part de responsabilité dans la crise économique actuelle. Et les historiens le démontreront plus tard, et démontreront plus tard que tous les phénomènes sont reliés entre eux. Dans le monde d'aujourd'hui, et c'est là l'élément central dont je voudrais vous parler, dans le monde d'aujourd'hui, on est envahi par les préoccupations essentiellement dans le matériel. Et on oublie qu'au centre de tout, il y a l'homme, il y a son bien-être, mais aussi ses sentiments et sa complexité. C'est à une crise de civilisation et non pas à une crise économique qu'on est affronté. C'est à une crise de civilisation et une crise de valeurs. Car au-delà de ces constats, il y a donc des valeurs. Et notre monde aujourd'hui se voit dépouillé de certaines valeurs traditionnelles. Il est dominé principalement par une logique technique, économique et scientifique. Quelle est l'origine ? Pour rechercher l'origine de cette logique, il faut remonter au XVIe siècle, la Renaissance, avec l'avènement de la modernité, c'est-à-dire d'une rénovation intense dans le domaine artistique, mais surtout scientifique, et aussi dans le domaine économique, avec la naissance du capitalisme, comme vous le savez, qui est né d'ailleurs dans le sillage de la réforme de la religion en Europe, avec l'apparition du protestantisme. Rappelez-vous Max Weber, éthique protestante, et esprit du capitalisme. Cette modernité du XVIe, elle est née de la raison. Et on trouve ici à l'origine le philosophe Descartes, qui s'est inspiré d'Aristote et de Grotius, et qui résume sa pensée en deux points qui sont essentiels. Premièrement, rejeter la tradition au profit de l'évidence. Et deuxièmement, c'est ça qui est important, rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Et je voudrais ajouter, désormais, destructeur de la nature avec les problèmes écologiques qui en découlent. Et ici, tout est dit, et vous l'avez vu au cours de cette semaine. Toute l'histoire de l'humanité se définit par le rapport que l'homme établit avec la nature, que l'homme établit avec le monde qui l'entoure, sa manière de concevoir et d'agir sur lui pour en tirer ce qu'il en attend. Et dans cet élan, après Descartes, il y a Machiavel. Pour lui, l'État n'a d'autre fin que la volonté de puissance et de croissance. Et vous le savez, l'histoire a montré que la puissance est le prélude du déclin de toute civilisation. Alors voilà, mesdames, messieurs, d'où vient notre monde aujourd'hui, dominé, comme je l'ai dit, par une logique technique, économique et scientifique. Ceci y compris dans notre système d'enseignement, où le technique et le quantitatif submergent le qualitatif et l'intuitif. Tout le monde recherche des disciplines du quantitatif. On forme par exemple des jeunes ingénieurs pour remplir des missions dictées pour les besoins de l'économie et non pas d'abord pour leur épanouissement personnel. Des robots en quelque sorte. Que devient la philosophie, la littérature, la poésie, l'art dans notre système d'enseignement? Alors tout cela s'est traduit par une modification grave de nos échelles de valeur. Évidemment, par le jeu de la mondialisation, ces changements de valeurs se transmettent et touchent notre propre société. Les valeurs morales de solidarité, de respect de l'environnement, je dirais de l'amour, s'estompent peu à peu pour être remplacées par les valeurs matérielles. N'est réel que ce qui est quantifiable. Réel vient du latin res, qui veut dire chose, n'est réel que ce qui est quantifiable. La richesse d'un pays, son bien-être, avec quoi on les apprécie? Avec le taux de croissance, c'est-à-dire la variation du PIB. Un jeune ministre
me disait, moi je veux de la croissance, rien que de la croissance, même s'il est négatif. Alors que ni la souffrance, ni l'enthousiasme, ni le plaisir n'entrent dans la quantification. Aujourd'hui, le pouvoir de l'argent s'affirme partout. La logique du capital devient sans frontières. Et voilà que l'ordre a changé. La monnaie est devenue reine. Et l'homme en est l'objet. Et le monde en est la reine. Un de mes derniers points. Le maître du monde, c'est le financier. Ce n'est pas le politique. Regardez combien les politiques se sont débattus pour venir au secours des fonds financiers, sans parvenir à remettre en question de manière significative la déréglementation ou les modes de rémunération des banquiers. Jamais ils n'ont eu autant de revenus qu'au cours des années de crise. Les politiques s'adaptent en fait aux règles de la finance, car derrière la finance, on l'a vu, il y a l'économie réelle, derrière l'économie réelle, il y a les contraintes sociales, et derrière les contraintes sociales, il y a les politiques, les contraintes politiques. Alors l'élu, pour mettre en œuvre une politique déterminée en fonction de leur idéologie, c'est une autre politique qu'on voit sur le terrain. On change d'idéologie et de principe, on passe d'un parti à l'autre, comme on change de chemise. Hier, les socialistes privatisaient, aujourd'hui la droite nationalise, on orchestre et s'installe dans un dérapage inédit de déficit public, encouragé par un Fonds monétaire international qui lui aussi a tout simplement réadapté son idéologie au nouveau contexte. Les politiques néolibérales sont à la recherche de nouveaux horizons. On n'a plus de repères. Le clivage droite et gauche est en panne et en définitive, il n'y a plus de politique économique, mais rien que des instruments techniques sans armes. Et l'homme dans tout cela, l'homme que devient-il? L'homme qui devrait être au centre de toute politique économique. La finalité de la croissance. Il est devenu un moyen pour faire plus de croissance, pour faire plus de profit. Alors on le pousse à plus consommer. Plus que jamais, nous avons besoin d'humaniser notre civilisation pour que l'homme retrouve sa place au centre de nos préoccupations. Nous devons prendre l'humain comme finalité et non comme objet, l'aider à se construire l'humain dans l'évolution. Ernest Renan disait « Le but du monde est le développement de l'esprit et la première condition du développement de l'esprit, c'est sa liberté. » Et sa liberté, vous le savez, dépend de son éducation. Dans notre pays où il y a encore 40% d'analphabètes, l'égalité des chances commence par l'égalité d'accès à l'école. Nous avons donc besoin de faire moins de croissance et plus de développement. Ce sont deux concepts différents, croissance et développement. Le développement, c'est un concept à la fois quantitatif et qualitatif, un concept synthétique, un concept qui s'attend sur le développement humain, un concept qui se construit sur une vision à long terme, un concept qui prend l'homme comme finalité. Et en prenant l'homme comme finalité, nous procédons à un meilleur équilibre entre l'avoir et l'être, car en définitive, au niveau de l'homme, il y a deux mondes, vous le savez. Le monde intérieur de soi, le monde extérieur qui est en liaison avec la vie matérielle. Évidemment, l'homme est amené à assurer sa durée et certains besoins matériels. Il recourt pour cela au matériel. Il recourt aussi à l'intellectuel pour mieux comprendre son action, sur son milieu, sur son soi-même. Mais il y a enfin le spirituel. Le spirituel qui lui permet d'entrevoir pourquoi on est là, la raison d'être. La raison de la vie, la raison de l'humain. Et c'est là où la religion et la méditation peuvent jouer un rôle essentiel pour son équilibre. Là où on peut donner à l'amour la place humaine essentielle qu'il mérite. Quand je parle d'amour, c'est l'amour de soi d'abord. L'amour de l'autre, l'amour de la nature, l'amour de l'humanité, l'amour de l'infini, le huit horizontal. Et au-delà, l'amour de Dieu. Car l'amour, c'est le fondement même de la vie spirituelle. Religion et amour sont solidaires. Gandhi disait, j'ai la ferme conviction que nous pouvons conquérir le monde entier par la vérité et par l'amour. En effet, tant que l'homme est esclave de ses désirs, qui sont issus
du matérialisme ambiant. Il reste prisonnier de l'égoïsme et il ne peut échapper au caractère fatal des forts et de l'écrasement des faibles. Alors l'amour et la bienveillance transforment tout cela. Il donne aux faibles le respect qu'ils méritent. Il lui donne sa force de survie. J'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, il y a des gens qui meurent par manque de nourriture. Mais il y en a beaucoup plus qui meurent par manque d'amour et d'attention. Alors la solidarité n'est pas seulement une question d'argent. Vous voulez bien le dire et l'affirmer. La solidarité n'est pas seulement une question d'argent. Mais c'est une question de capacité de donner un peu de santé aux autres, de savoir les écouter, le temps de leur parler, mais aussi le temps de les aimer. Parce que quand on aime, en fait, on ne vieillit jamais. Et je me rappelle, pour terminer, de cette phrase d'un poète mexicain, Gabriel Garcia Marquez, juste avant sa mort, et qui disait, aux femmes et aux hommes, je leur prouverai combien ils se trompent en pensant qu'ils cessent d'être amoureux en vieillissant, alors qu'ils vieillissent lorsqu'ils cessent d'être amoureux.